Et bonjour, donc nous voici pour la petite review du jeu, donc ce coup-ci le Victorian mais Pearl, donc l'argenté. Allez, je vous montre le dos moi, la face de l'étui. Hop, je bouge un peu hein, pour les reflets s'il y en a. Non, c'est bon. Voilà. Le dos, donc toujours l'as de pique comme je l'ai dit. Donc ça sera le dernier jeu, hein, je me répète plus. Je le dis encore une fois pour celui-là, ces jeux-là qu'on ouvre, il y a un code ici en haut à droite, ou en haut à gauche, à chaque fois Thierry me le dit, mais je ne me rappelle jamais. Donc si vous voyez ce code sur le jeu, ben, vous avez une réduction dessus. Si ce code ne marche plus ou qu'il n'y a plus de code, ben, c'est qu'il y a quelqu'un qui l'a acheté avant vous avec ce code-là. Et donc, puisqu'il n'y en a qu'un à chaque fois qu'on ouvre, hein, donc ça Donc sera ça va terminé. très vite à chaque fois. Exactement. Voilà, donc c'est la dernière fois que je le dis sur ce jeu-là, je le dirai plus. Allez, donc le côté du jeu. Donc c'est la même chose que le noir, hein, tout simplement. Voilà, de manière c'est la même série. Hop, donc la marque du jeu ici, enfin le nom du jeu. Idem de l'autre côté. Et le site www. Je sais plus quoi, GA quelque chose. GALETH.COM. Voilà. Et voilà, donc ça c'est un jeu également qui est numéroté aussi. Donc là c'est le numéro 946 sur 1000. Donc quand ils ont les étiquettes comme ça, c'est que c'est des jeux numérotés. Donc c'est des jeux qui sont quand même assez chers. Et dans la théorie, il devrait en avoir que 1000. Hop. Allez, donc c'est parti. Donc idem à l'intérieur, on est sur le même design. Donc l'étui est complètement décoré à l'intérieur, un petit peu comme souvent fait Theory 11 d'ailleurs sur ces jeux-là. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc, si on regarde côté dos, eh bien, on est sur le même design, mais en un petit peu plus clair. Joli, hein. Donc, c'est sûr qu'au niveau dos, déjà, on a quelque chose qui ressort un petit peu plus. Je le dis tout de suite, j'ai trouvé sur ce jeu-là une toute petite asymétrie. Alors, je ne sais pas si c'est de par la coupe ou si c'est de par l'impression, mais je pense que c'est par la coupe. C'est-à-dire que si on regarde le jeu ici, sur les angles là, là on n'a quasiment aucun trait blanc là, ici là. Il y est, mais il est vraiment sur la bordure, si on regarde bien. Alors que de l'autre côté, quand on l'étale, alors c'est sur pas ce côté, oui, c'est ce côté qu'on ne le voit pas, c'est-à-dire de l'autre côté il dépasse, voilà. Donc là on voit quasiment aucun trait blanc sur la bordure du jeu. Là, c'est-à-dire, c'est vraiment limite, limite. Alors que de l'autre côté, on voit à chaque fois, voilà, on voit là, sur un demi-millimètre, un trait blanc. Je vais zoomer parce qu'on voit rien. Ouais, mais c'est très dur. Mais c'est pour ça que je pense qu'ils ne l'ont pas fait exprès. Mais si c'est comme ça sur tous les jeux, je considère que ce jeu est asymétrique. Voilà, regarde ici, par exemple. Voilà. La première carte, là. Voilà, c'est très bien. Là, on voit le trait blanc qui passe ici. D'ailleurs, on le voit là sur la deuxième. Alors que si je retourne la carte, voilà, je vais le mettre côte à côte, on voit bien que là, il y a le trait, alors que là, il n'existe pas. Voilà, tout simplement. Donc, alors, je pense que c'est dû à la coupe. Donc, je ne sais pas si tous les jeux sont comme ça, mais en tout cas, celui-là, je le considère comme jeu asymétrique parce que moi, effectivement, je le vois. Ok? Alors, ensuite. On retrouve la même chose, hein, les cartes publicitaires, la marque du jeu, la carte qui est double face, moi, double Double face. index, 6 de cœur et 8 de trèfle, donc une carte gaffe. Les deux jokers, c'est pour ça que ce jeu, je dis qu'il est beaucoup plus visible, parce que c'est vrai que ça ressort beaucoup mieux sur un fond blanc, hein, il n'y a pas à tortiller, donc c'est très joli. On retrouve la carte double dos. On retrouve la carte double dos, mais celui-ci, ce coup-ci pour le jeu noir. La carte blanche, donc si on veut faire une disparition d'index au milieu, de symbole. Hop. Et maintenant, c'est parti pour le jeu. Donc, l'as, le roi. Donc là, on voit bien quand même les trucs, hein, c'est vraiment très très joli. Il ressort beaucoup plus sur le pearl, le fond gris. C'est pas un fond blanc, c'est un fond gris. Donc c'est vrai qu'il est très joli comme ça.
Alors pareil, même touché que l'autre, hein, la carte est un petit peu plus dure. Alors je sais pas pourquoi, est-ce que c'est vraiment par rapport à l'impression de la carte qui a beaucoup d'encre ou un autre vernis ou un truc comme ça, mais la carte est différente, je le sens, qu'une carte bicycle de base. Hop. Donc là, c'est vrai que les dessins sont très jolis, hein. Là, c'est, je sais pas si on voit bien la caméra, mais quand on regarde en détail, les dessins sont super bien dessinés. Le jeu est forcément plus visible que sur le noir. L'as de carreau. Voilà, on voit bien quand même, je sais pas si en t'approchant on voit bien vraiment le détail de la carte, mais c'est très très joli. Pique. Hop. Là. Et on arrive sur la fin. Un petit étalement pour que vous le voyez côté face une dernière fois. Ce que on peut voir, le tapis est un peu court, mais c'est pas grave. Donc pareil, on est sur la même couleur, hein, les rouges, les carreaux et les cœurs sont dorés. Alors on le voit un petit peu plus sur le pearl, je pense que ça ressort plus, ce côté doré argenté. Et puis pour les piques et les trèfles, on voit bien que on est sur la même couleur que l'autre. Ils sont gris. Et voilà. On a oublié d'éteindre le téléphone. Voilà pour ces deux jeux, donc les jeux Victorian ou Victorian. Et maintenant, on va passer au suivant.